Discours de présentation du livre. Tout d'abord, je remercie Allah infiniment et sans cesse, bien que les remerciements s'amoindrissent et restent insuffisants à l'égard de sa grandeur. Deuxièmement, je prie et je salue ses messagers, implorant avec le Seigneur des humains tous les autres messagers. Troisièmement, je demande qu'il m'éclaire de son avis pour rédiger le livre de la réviviscence des sciences de la religion. Quatrièmement, je me consacre à dissiper l'étonnement de celui qui me blâme exagérément parmi la clique des ingrats qui abondent en critique et en ingratitude parmi les classes d'ignorants. Allah, Dieu, a délié de ma langue et m'a décerné la décoration de l'éloquence. Cesse de fermer les yeux sans relâche devant la clarté de la vérité, tout en insistant sur la triomphe de l'adultération et sur l'embellissement de l'ignorance, empêtrant celui qui délaisse la concupiscence et opte pour le travail plutôt que pour l'apparat, selon la doctrine, espérant purifier son âme, attendrir son cœur par l'adoration d'Allah, récupérer une partie de sa vie perdue dans le désarroi menant au désespoir de pouvoir remplir la fonction qui lui a été attribuée et s'éloignant des foules dont le prophète, que la prière et le salut de Dieu soient sur lui, dit, ouvrir la citation, « L'homme le plus châtié le jour du jugement dernier est l'homme de science qu'Allah n'a pas laissé profiter de sa science. » Fin de la citation. Je ne vois aucune raison à ce que tu insistes à rester orgueilleux, à part la maladie qui s'est propagé au milieu des foules et qui les a voilés. Il n'arrive plus à remarquer que ce fléau a atteint son apogée. L'ignorance est grande, le malheur est réel, la mort arrive, la vie s'en va, le délai est proche, le voyage est lointain, la provision est minime, le danger est grave, la voie est fermée. Il n'existe de protection pour le critique avisé que le travail est la science au service d'Allah. Prendre le chemin de l'au-delà, avec tous ses aléas, sans guide et sans amis, est pénible et endurant. Les guides de la route sont les oulémas, qui sont devenus rares en ce temps, et il ne reste que les orgueilleux, qui sont tentés par Satan et prédominés par la tyrannie. Tout le monde est préoccupé par la saisie de sa part. Le bien est devenu rebuté, le mal approuvé, les sciences de la religion terrassées et le phare qui éclaire le chemin du bien enseveli. Ils ont propagé la présomption que le savoir se présume à une solution donnée par le gouvernement pour aider les juges à prononcer les verdicts, une discussion vaine prise comme prétexte pour s'enorgueillir et prédominer ou une anoculte assonancée que le prédicateur emploie pour attirer le public. Ils n'ont trouvé que ces trois moyens comme piège et filet pour tout ce qui est interdit et dérisoire. Quant à la science de la vie de l'au-delà, et que nos bons prédécesseurs avaient l'habitude de suivre de ce que Allah a appelé dans son livre jurisprudence, sagesse, science, lumière et droiture, elle a été totalement oubliée par les gens et n'est plus d'usage. Puisque le sujet est de grand intérêt pour la religion et qu'il touche à un problème grave, j'ai jugé bon d'écrire ce livre pour revivifier les sciences de la religion, exposer les critères des imams qui nous ont précédé et clarifié les sciences utiles des prophètes et des bons prédécesseurs. J'ai élaboré ce travail en quatre divisions qui sont les adorations, les habitudes, les mortelles et les salvatrices. J'ai placé à l'avant-garde des quatre parties du livre de l'instruction d'un côté parce qu'il est le plus important et d'un autre pour clarifier tout d'abord ce qu'est l'instruction que les notables ont cherché pour adorer Allah
Comme dit le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, début de la citation, l'instruction est une obligation pour tout musulman. Fin de la citation. Puis, pour définir la science utile de la science nuisible et les distinguer. Le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit, début de la citation, nous cherchons protection auprès d'Allah de toute science inutile. Fin de la citation. Et finalement, cherchons protection auprès. Et finalement, pour corriger le penchant qu'éprouvent les contemporains pour s'éloigner du droit chemin et prouver qu'ils sont illusionnés par le mirage et dupés par les écorces. Le quart concernant les adorations comprend 10 chapitres que voici énumérés. La science, les préceptes des adorations, les secrets de la pureté, les secrets de la prière, les secrets de la zakat, aumône légale, les secrets du jeûne, les secrets du pèlerinage, l'éthique de la lecture du Coran, le rappel et les adjurations, le classement horodaté des parties du Coran. Le quart concernant les habitudes comprend 10 chapitres dont voici l'énumération. L'éthique de manger, l'éthique du mariage, les règles du gain, les choses licites et les choses prohibées, les principes de l'amitié et de la fréquentation, la solitude, les critères du voyage, la politesse de l'écoute et du recueillement, la commande du convenable et l'interdiction du blâmable, l'éthique de la vie et les mœurs de la prophétie. La division relative aux mortels comprend 10 chapitres suivants. Les 10 chapitres suivants. L'explication des merveilles du cœur, la cesse, les malheurs qu'engendrent les deux désirs, celui du ventre et celui du sexe, les erreurs que commet la langue, les catastrophes qu'engendrent la colère, la rancune et la jalousie, les reproches à l'encontre de la vie, les reproches à l'encontre de l'argent et de l'avarice, les reproches à l'encontre de la notoriété et du mensonge, les reproches à l'encontre de l'orgueil et de l'admiration, les reproches à l'encontre de la mystification. La division concernant les salvatrices comprend 10 chapitres dont voici les titres. L'action de se repentir, la patience et le remerciement, la peur et l'espérance, la pauvreté et l'austérité, le monothéisme et le recours, l'amour, l'envie, la compagnie et la satisfaction, l'intention, la franchise et le dévouement, la surveillance, la souvenance, le rappel de la mort. Quant au cas réservé aux adorations, je le consacre au rappel des secrets, de leurs principes, de leurs règles précises et des secrets que comporte leur signification, ce qui oblige d'être au courant de tout ceci pour accéder au rang des savants dans le domaine de la vie future et de connaître même davantage de choses omises ou oubliées dans l'art de la jurisprudence. Dans le cas concernant les habitudes, je mentionne les secrets des transactions qui se déroulent entre les gens, leurs fonds, leurs principes précis et la piété indispensable à tout homme de foi. Dans les mortels, je cite toute créature maudite que le Coran incite à s'en débarrasser et à s'en purifier le cœur, de même que je mentionne la cause, l'origine et les malheurs qu'elle engendre. Je mentionne également comment la reconnaître et comment s'en débarrasser et s'en curer. Tout ceci exemplifié analogiquement avec des versets coraniques et des récits. Dans la division des salvatrices, je mentionne toutes les bonnes créatures et toutes les bonnes habitudes qui rapprochent le serviteur de son créateur. Je cite de la même vérité, je récite de même la vérité de chaque habitude, sa cause, ses bienfaits, ses signes apparents et sa vertu avec des témoignages cités de la jurisprudence et de l'esprit. Plusieurs livres ont été écrits dans ce sujet, mais 5 choses distinguent celui-ci des autres. Numéro 1. Le dénouement de ce qu'ils ont noué
et le décapage de ce qu'ils ont dissimulé. Numéro 2. La disposition de ce qu'ils ont dilapé et le réassemblage de ce qu'ils ont disjoint. Numéro 3. Le résumé de l'étude exhaustive et la précision de dans le programme. Numéro 4. La suppression de ce qu'ils ont répété et l'affirmation de ce qu'ils ont rédigé. Numéro 5. La réalisation de faits obscurs et incompréhensibles qui n'ont jamais été abordés dans le livre, sachant que, bien que tout le monde suive le même chemin, il n'est pas impossible que quelqu'un aborde un sujet, qu'il l'importe, et que les autres omettent de le signaler ou oublient de le mentionner dans les livres, ou bien même ils n'oublient pas, mais quelque chose les empêche de le clarifier, ce qui caractérise ce livre exhaustif. Deux raisons m'ont incité à rédiger ce livre en quatre quarts. La première, la raison majeure est que l'ordre de la réalisation et de l'instruction est une nécessité car la science qui s'adresse à la vie de l'au-delà se subdivise en science des procédés et science de décapage. La science de décapage est celle qui sert à décaper et éclaircir ce qui est connu. La science des procédés consiste au décapage et à la pratique de cette science. Dans ce livre, il est seulement question de la science des procédés sans décapage, lequel n'est pas autorisé de figurer dans les livres, bien qu'il soit, le décapage, le point de mire des saints et l'orbite des chercheurs. La science des procédés est le chemin qui mène à la science du décapage. Mais les prophètes, que les prières d'Allah soient sur eux, n'ont indiqué aux humains que la voie à suivre. Quant à la science du décapage, ils l'ont abordé symboliquement pour stipuler de façon générale, parce qu'ils sont conscients que la masse populaire est incapable de comprendre. Les ulama sont les héritiers des prophètes. Ils sont obligés d'endurer et d'imiter. La science des procédés comporte la science extrinsèque, c'est-à-dire la science des sens, et la science intrinsèque, c'est-à-dire la science relative au rôle des entrailles. Ce qui se passe avec les sens est soit une adoration, soit une habitude. Ce qui touche les entrailles est considéré voilé dans le royaume céleste et est soit répugnant, soit subjugant. De ce fait, cette science comprend deux parties, intrinsèque et extrinsèque. La partie extrinsèque qui concerne les sens se subdivise en habitude et adoration, et la partie intrinsèque relative à l'état des entrailles et aux mœurs se divise en deux, désapprouvé et approuvé. Ainsi, la totale est de quatre parties et aucun avis de la science des précédés n'en fait exception. La deuxième raison, j'ai constaté un sérieux désir de la part des disciples pour apprendre la jurisprudence qui a servi à ceux qui ne craignent pas Allah et qui s'en servent pour exhiber leur notoriété. J'ai élaboré ce livre en quatre parties qui traitent la jurisprudence, espérant ainsi attirer les cœurs, sachant que ceux qui portent la tunique de l'approbation est approuvé. Pour ceci, ceux qui ont voulu attendrir les cœurs des chefs et les attirer par la médecine s'en sont servis en forme d'études astrométriques tablées qu'ils ont nommées agenda de la santé, espérant sensibiliser les cœurs à cette étude bénéfique à la vie de l'au-delà de façon plus attrayante que celle qui n'est utile que pour la santé du corps. Le fruit de cette étude relève de la médecine interne qui remédie les entrailles et les âmes pour l'éternité. Où en est donc la médecine qui traite les corps alors qu'elle sera obligatoirement obsolète dans un délai proche? Nous implorons Allah de nous exhorter et de nous guider. Il est généreux et donateur.